Diane Babio Ali et Axel Ouensou fêtent autrement leur anniversaire cette année. Elles ont décidé d'apporter leur soutien aux enfants de l'orphelinat Sabouyo de Banikani dans le 2e arrondissement de Parakou. Elles ont à cet effet fait don le samedi 4 février 2023 de sucre, riz, spaghettis, boîtes de tomates, vêtements, savon, eau de javel, huile végétale et bien d'autres au bout de chou de ce centre. Une action humanitaire qui vise à partager la joie et l'amour avec ses enfants. L'occasion a été saisie par ses leaders pour sensibiliser les enfants de l'orphelinat sur les règles d'hygiène et d'assainissement. Cette année, tout est parti d'une idée de fêter autrement mon anniversaire, de partager cette joie-là que nous ressentons souvent quand nous célébrons nos anniversaires avec d'autres personnes. Et je me suis beaucoup plus tournée vers un orphelinat. Parce que les enfants qui sont dans les orphelinats ont quand même besoin d'un certain amour. Et c'est ce qui justifie le choix porté sur l'orphelinat. L'hygiène en général participe au bon maintien de la santé. Et c'est ce qui m'a motivée à m'entretenir avec ces merveilleux enfants sur l'hygiène, les règles d'hygiène en général. Créé en novembre 2012, l'orphelinat Sabouyo compte à ce jour 23 orphelins et enfants vulnérables. Les responsables de cet orphelinat expriment leur gratitude à l'endroit de ces braves jeunes femmes leaders pour ce geste. La grande majorité des enfants reçus sont devenus orphelins à la suite du décès de la mère dans le lit d'accouchement, faute de moyens financiers. Ainsi, l'orphelinat se substitue aux parents et assure désormais les besoins vitaux tels que l'alimentation, l'éducation, l'habillement, les soins, etc. Les ressources utilisées pour assurer cette tâche proviennent des cotisations payées par les membres de l'ONG GRAFEP, les dons et legs de quelques partenaires financiers. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous nous avez apporté et que Dieu vous le rende au centuple. Donc je vais porter le message à tous les autres membres du bureau et de l'ONG et on vous dit une fois encore merci. Très content, les bénéficiaires de ces dons salut les généreuses donatrices. Au nom de tous mes camarades orphelins bénéficiaires de vos appuis, nous vous disons infiniment merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous orphelins de Sabouyo. Comme le disait si bien La Fontaine, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous vous promettons de surpasser nos difficultés en redoublant d'efforts afin d'améliorer nos résultats scolaires, voire les rendre meilleurs. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée en présence des responsables de l'orphelinat et les membres du groupe de recherche d'action sur la femme, l'environnement et la production GRAFEP ONG de l'orphelinat Sabouyo et bien d'autres.